Salut à tous, bienvenue à l'assaut des jeux de figurines. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois de Mortal Rims. Le numéro 2 vient de sortir chez votre marchand de journaux. C'est un succès monstre, on s'en doutait un petit peu, c'est dans la collection Hachette. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais proposé de déballer soit ça, soit le chat. J'ai pas trouvé le chat, désolé. Allez, c'est parti. Allez, donc du coup, on va déballer ce numéro 2 ensemble. Voilà, donc c'est la collection Warhammer Age of Sigmar officielle. C'est le numéro 2. Ça coûte 4,99€ seulement. Vous allez avoir 4 figurines, un pinceau et un pot de peinture. Le premier de la collection. À l'arrière, eh ben, on a vraiment tout pour vous faire rêver et pour vous inciter à acheter le numéro 3, le numéro 4. Voilà. Ça donne vraiment envie. Le numéro 3, ça sera donc du coup dans une semaine. Et ça coûtera 9,99€. Alors bah comme le numéro 1, voilà, il y a toujours le petit fascicule avec pas mal de fluff. Comment assembler ces figurines. On va regarder ça après. Les figurines. Tout ça, bien sûr, très très bien emballé. Avec beaucoup de plastique. Allez, on va déballer ce numéro 2. Alors entre le numéro 1 et le numéro 2, il y a quand même eu un délai de 15 jours. Hein, pour ceux qui ont cherché désespérément la semaine d'après ce numéro 2, il y a eu ce petit délai de 15 jours chez les buralistes. Mais à partir de ce numéro-là, ça sera donc toutes les semaines. Voilà, donc le sommaire du fluff. On va parler des Banshees. Voilà. Alors c'est vraiment un déballage très rapide, un peu à l'image de ce que j'avais fait avec le numéro 1. Voilà, toujours les belles photos de chez Game Workshop. Rien que les photos, ça donne vraiment vraiment envie d'avoir toute la collection. Voilà, on vous explique comment assembler du coup vos 4 Banshees d'Oland. Donc voilà pour le nom français. Rien de très compliqué. C'est du easy to build, comme on dit, avec mon superbe accent anglais ch'ti. Vos outils, vous aurez besoin bien sûr, bah forcément, hein, d'un pot pour nettoyer vos pinceaux, de peinture. Par contre, la sous-couche ici des Banshees et des figurines qu'on a eu avant au pinceau, c'est quand même limite moyen. Préférez quand même la bombe de sous-couche ou l'aérographe si vous êtes équipé. Alors voilà, donc là, toujours pour la partie règles, on avance tout doucement dans les règles. On vous montre voilà, différentes petites choses qu'on ne va pas détailler ici. Et puis bien sûr, encore un petit truc qui nous incite à nous abonner. On vous dit que vous aurez le numéro 2, numéro 3 très bientôt. Voilà, donc ça c'est le petit fascicule qu'on va avoir, je pense avec les premiers numéros. Qui vous dit que l'enveloppe est timbrée, vous n'aurez même pas à acheter de timbre. Il n'y a plus qu'à mettre votre nom, vos coordonnées bancaires surtout, et à poster tout ça. Voilà. Les figurines, alors on va découper ça. Attention, pour la mention légale toujours, de ne pas vous blesser si vous utilisez des ciseaux. Et donc, alors c'est bien protégé, hein. Ça c'est vrai que quand même faut le dire, les figurines, moi en tout cas j'en ai jamais vu de cassé. Pourtant j'ai fait la collection Warhammer Conquest et pareil dans ce que j'ai reçu, toujours bien emballé, ça c'est quand même bien. Donc il n'y a jamais eu de casse et c'est tant mieux, en tout cas pour ma part. Alors dans tout ça on a un starter brush, donc ça la valeur réelle chez Game Workshop c'est à peu près on va dire 5€. Un pot de peinture, du Corax White, donc du blanc. Donc là, pareil, hein, la valeur, c'est 3,60€. Et les figurines, alors de mémoire, ça doit coûter entre 12 et 15€, je crois, chez Game Workshop. Donc on fait encore une belle économie pour 5€. On a en gros une vingtaine d'euros de matériel. Un pinceau de chez Game Workshop. Alors c'est pas non plus la folie, hein, les pinceaux de chez Game Workshop. Mais on va dire que ça fait le taf. C'est toujours mieux que les pinceaux de chez Wish ou AliExpress. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo, unboxing rapide, convivial, j'espère en tout cas. On fera un bisou au chat qui vient d'échapper à un unboxing. Il y a d'autres vidéos bien sûr sur la chaîne, hein, il y en a quand même pas mal aujourd'hui. Il y a un déballage du Mortal Rims numéro 1 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai fait une version ch'ti, vous allez voir, c'est très rigolo pour ceux qui aiment l'accent du Nord. En tout cas moi je me suis régalé à le faire et je me suis surtout très très bien marré. Et puis, il y a aussi, surtout, attention, un concours spécial abonné sur la chaîne. Ça concerne les anciens abonnés, bien sûr. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux, mais aussi les nouveaux.
vous allez pouvoir gagner pas mal de petites choses, tout ça au frais de la chaîne, envoyé directement chez vous. Il y a le Mortal Realms numéro 1, alors même si ça coûte 2,50€, il y a quand même 13 figurines, et on a de plus en plus de mal à se le procurer aujourd'hui. Il y a une figurine de la Death Guard, et il y a aussi une moto Space Marine, tout ça à gagner au frais de la princesse. Donc, allez voir la petite vidéo qui se trouve, je pense, juste avant celle-ci. Il y a une petite question à répondre. Voilà, de quel sujet traite la première vidéo mise en ligne sur la chaîne. Il va falloir partager la chaîne sur le réseau social de votre choix et m'envoyer tout ça sur alassodesjeuxdefigurines@gmail.com. Voilà, c'est détaillé dans une précédente vidéo, je ne vais pas m'attarder, mais donc du coup, si la chaîne n'a pas encore 200 abonnés, vous pouvez encore participer. Merci à Dreftan pour la musique de cette vidéo une nouvelle fois. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon profil Instagram Croquette Miniature, un petit complément de la chaîne. Et puis en tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère à très bientôt dans la joie et la bonne humeur. Ciao !